Ce qui il doit être au-dessus des degrés. Vous voyez cet homme, l'Esprit du Seigneur est en train de parler. Il a vécu beaucoup de combats. Vous savez, il a été combattu dans sa famille et dans la famille de sa femme. Et il a failli mourir. Il est passé à l'hôpital dans un coma. Il est passé par l'opération mortelle. Mais Dieu a exaucé ses prières. C'est vrai ou c'est faux? Et tu dis quoi aux gens qui sont là? Parce qu'il y avait un décret qu'on avait dit sur toi. Même, on avait même rêvé que tu étais mort. Tout le monde voyait que tu es mort. Et qu'est-ce que tu vis maintenant? Est-ce que tu es sorti ou tu n'es pas sorti? Je suis sorti. Alléluia. Tu as eu beaucoup de combats et pourtant tu faisais du bien pour l'œuvre de Dieu, mais tu as été l'objet de beaucoup de combats, beaucoup de combats, beaucoup de combats. Mais le Seigneur marche avec toi. Dieu a appelé à devenir une bonne servante. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit de temps en temps en toi, mais il y a des choses qui retiennent ta vie. Un groupe de gens s'était réuni pour combattre cette femme. Un groupe de gens et la personne qui tenait la Bible, et c'était des hypocrites qui voulaient la combattre. Tu comprends ce que je dis là? Parce que tu as eu des frères, des amis frères, qui ont été prêts et détenus. À un certain moment, tu as senti qu'il y a eu un relâchement de leur part. Alléluia. Il y a eu un relâchement de leur part. Et tu t'es demandé pourquoi? Tu as été l'objet de beaucoup de jalousies. Tu te demandes, mais pourquoi? Parce que tu commençais à baisser. Tu commençais à baisser. Même pendant que je parle là, tu commences à frayer ton propre chemin. Tu commences à frayer ton propre chemin. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? C'est là le commencement de la grandeur dans ta vie. Seulement, reste attaché à Dieu. Il y a des moments où tu viens à Dieu. Il y a des moments où tu rétrogrades facilement. Tu laisses, ma foi, tu laisses. Mais Dieu me dit, ne laisse pas. Alléluia. Parce que si tu laisses, tu risqueras de mourir. Alléluia. Cet homme a vécu beaucoup de combats. Donc vous le voyez. Amen. Autant mourir. N'est-ce pas, tu as dit ça? Non, je ne pas, c'était trop. Tu as dit quoi? Ah, c'était trop. Il fallait que je dise que Dieu me prend. Oh, je vis. Oh, je n'ai pas la foi de le voir. Et l'Esprit du Seigneur me dit. Maintenant là, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir dans sa vie. Amen. Pendant que je parle là, ce jour ici, il commence à voir un peu des lueurs, des choses qui s'ouvrent. L'Esprit du Seigneur me dit, si les hommes continuent à t'aider, ou les hommes t'aider, c'est nous qui l'avons aidé. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu sois pris en charge? Tu as un cœur très généreux. Tu rends beaucoup de services aux gens. Et Dieu me dit, le bien que tu as fait aux gens, tu commençais à regretter. Tu disais, moi je ne veux plus aider les gens. Il a pris cette décision. Il a dit, je ne veux plus aider les gens. Parce que j'ai aidé finalement, moi je n'ai personne pour m'aider. N'est-ce pas ce que tu as dit? Non, j'ai dit ça. Surtout quand ma femme a fait l'accident, les gens ont compté beaucoup sur moi. Parmi les gens que j'ai aidés encore, ça m'a beaucoup découragé quoi. Je reste à mon coin avec ma femme, avec ma famille. Oh, nos siens ne peuvent plus nous aider. Est-ce que tu comprends? Cette femme a connu une déception qui fait pleurer son cœur. Il y a 3 jours, tu n'as pas arrivé, tu n'es pas arrivé à dormir. Oui.
il y a 3 jours, elle n'a pas dormi. Elle a tellement pleuré que depuis ce temps-là, elle a mal dans son cœur. Elle sent mal dans son cœur. Avec cette histoire de Dieu, tu vas mourir. Mais l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, ne te lamente pas. Alléluia. Il est celui qui fait jaillir de l'eau dans la solitude. Dans la solitude. Mais il y a des choses que Dieu... Vous savez ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est que Dieu a ouvert une capacité de vision extraordinaire. Dieu lui révèle des choses en avance. Ce programme, Dieu lui avait déjà briefé la vision de ce que moi je devais venir faire ici comme travail. Mais il ne m'avait pas vu. Il m'a vu, il a vu ce programme dans une vision. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu me dit, c'est un signe qui te montre qu'il est toujours avec toi. Il ne t'a jamais laissé. Un certain moment, il commence à se dire, Dieu m'a oublié, Dieu ne me voit pas. Dieu n'a pas vu tout ce que j'ai fait pour lui. Dieu a beaucoup de secrets avec deux femmes. Beaucoup de secrets. Tu vois des choses. Dieu te révèle des choses dans des songes. De manière incroyable. Mais à un certain moment, tu n'arrivais plus à retenir ce que tu voyais. Et elle s'inquiétait. Pourquoi je ne retiens que ce que je vois? Et pourtant, quand tu rêves des choses, ça s'accomplit. Tu sais, je te souviens encore le jour où Dieu t'avait montré que ton mari est décédé. Tu as eu une vision comme ça. Et ça t'a fait très peur. Amen. Mais ça devait t'encourager dans la prière de chercher Dieu. Amen. Parce que Dieu parle avec ses servantes. J'ai dit aux femmes qui sont là, Dieu parle avec vous. Amen. Il faut approfondir votre relation avec Dieu. Amen.
Thank you.